Salut les amis, c'est Zora Bleu, on se retrouve pour l'épisode 13 de Pokémon Saphir Alpha. Et donc, sachez que cet épisode est tourné juste après les deux précédents, donc du coup je n'ai pas eu de retour. Donc on va faire ce dresseur. D'accord, pas besoin de combat. Ah du coup j'ai pas besoin de la CT. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Le gîte de la vieille dame. Donc elle soigne, d'accord. Donc ça c'est bon à savoir. Ok, c'est cool. C'est bon, c'est bon. Tu es bien gentil, mais ça ira. Oui, j'explore tout, hein. Je me suis égaré, pas vraiment, non. Donc on n'aura pas besoin de revenir ici, hein, tout simplement. Linéon, c'est l'évolution de... Ah. De... Je sais plus comment il s'appelle, la fouine, là. Zigzaton. Tu fais mal. Tu fais même assez mal, je trouve. On va changer de Pokémon. J'ai pas envie de perdre Flamish. On va causer au jeune dresseur et puis on va aller se soigner une dernière fois. Oh, il fait mal son combo griffe. Parce qu'il a fait un double coup critique. Quand même. J'ai pas d'attaque électrique donc. Ah! J'ai perdu le sens de l'orientation. Toi, tu fais quoi, toi? Ah. On va juste les soigner un dernier petit coup, voilà, et puis après on continue notre petit chemin. Oui. En échange, je te prends 10 000 Poké-Dollars. Non, c'est bon. Pas pourquoi elle répète, parce que peut-être qu'elle perd la mémoire, donc du coup, ouais, c'est peut-être ça. Bon. Direction Otekia. Il neige? On peut rencontrer des sablettes ici. C'est où? C'est normal si c'est assez blanc, c'est la map qui est comme ça. Des sablettes alors qu'il neige. Type sol, donc normalement une attaque de type feu devrait lui faire mal. Donc si je fais une attaque de type sol, ampleur 7, on va voir ça. Ok. On va le capturer mes amis, hein. Ça fera toujours un Pokémon en plus un Pokédex et puis voilà. Là par contre j'ai trop peur de le... Oh! J'ai cru qu'on m'avait appelé.
Bah ça m'arrange. Du premier coup, ça m'arrange. Un nouveau Pokémon enregistré. Non. Bon, on continue. Il y a pas mal de dresseurs, hein, ce que je vois. Craquenois. Je sais plus si c'est l'inverse, si c'est le feu qui est fort à la roche ou l'inverse. Normalement. Voilà. Dynavolt, 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 Dynavolt. J'ai pas trop d'idées, donc je vais mettre les armes parce que j'ai pas d'idées. Celui que j'avais était très bien en fait. Mais c'est pas grave. L'animation de lame feuille a changé. Sur Pokémon Noir, c'était... On voyait l'attaque de Majaspic, ça avait vous, comme ça, mais... Vous voyez des épées en forme de feuille, si vous voyez ce que je veux dire en gros. Je pense pas que vous voyez ce que je veux dire. What? Ces sabelettes m'intéressent pas. Et pourquoi il y a un dresseur, on peut pas y aller? C'est que des sabelettes, donc tu as donc un chamallow, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oh là, il n'y a plus de son. Voilà. Chamallow contre chamallow. Lequel est le plus fort? Le sien. Ébulilave. Oula. Alors déjà tu vas te calmer, d'accord? Voilà. Avec Tipiaf, les combats sont toujours en express, j'ai remarqué. Hein. Il y a la CT là, je la veux. Je veux la CT. Reflet. Je pense qu'on est proche de Tekia. Donc pas être loin à mon avis. Combat-moi. Les éruptions volcaniques, c'est la vie. Ok. Pour moi, c'est plutôt la mort en fait. Parce que général, tu survis généralement pas trop à une éruption volcanique. Enfin, je sais pas. Acier. Je crois qu'il est acier. Galukid, non. Je tente une rebondie feu. Il doit être acier, mais... Ça fait mal. La vitesse. Ah, il va taper avant moi. Il va taper avant moi. Je vais perdre Flamish. Donc je switch. Dans la logique, il va faire tombe roche. Hurlement. D'accord. Ok, bah t'es dans la merde.
Et bien sûr, je parle du Galekid. Moi, ça va. Je vais même te taxer un petit peu de vie, si ça te dérange pas. Ah bah, je suis full. T'es tellement fort. Je vais continuer un peu. C'est OTK. J'ai cru que c'était OTK, moi. Faux espoir. Hop, hop. On a encore des popos. On va parler au monsieur, là, au monsieur au chapeau. Oh, j'ai marché sur une... Ah, d'accord. Ah, c'est pas de la neige, c'est de la cendre. Voilà pourquoi il y a des sabelettes. Sac à suie. D'accord. Ah, ils toussent parce qu'ils ont de la suie. Cof, cof. D'accord. Ah d'accord, ça c'est de la suie. Mais attendez, on va faire son truc là. Comment on sait que ça se remplit? Je sais pas. Bon, bref. Désolé si ça fait des petits bruits. Hop là. Ah d'accord. C'est quoi qui est surgi? C'est Mario? Je sais pas. Je dirais qu'il avait une casquette rouge. Ah non, c'est ses cheveux. Nangal, on ne l'avait pas encore vu. Ah si, 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 on l'avait déjà vu, pardon. Insecte. Je tente un remoudi-feu. J'ai bien fait. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir comme deuxième Pokémon? On change. Volt. Ninja, ce qui a une assez très bonne vitesse d'ailleurs. Donc il sera forcément beaucoup plus rapide que Chamallow. Je pense même plus rapide qu'Elexprint. Oui, c'est ce que je me disais. Voilà. Oula, ça lui a pas plu. Comment on sait que notre sac de suie est rempli? Je sais pas à quoi ça sert, il nous donne quoi en fait? Les autres Pokémon dans cette zone, parce que sinon j'aurais eu le Pokédex rempli. Sac. Bah j'irai le voir, tiens, après, juste après, là. Ah! Bon, bah là, s'il y a un nouveau Pokémon, je capture pas. Ah, tiens, des Spinda ici. Je suis étonné. Je pensais pas que je pourrais trouver des Spinda. On va pas capturer tous les Pokémon non plus, hein. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ah, on m'appelle, donc je vous laisse. Une petite ellipse, et à tout. Les amis, donc on se retrouve pour cet épisode 13, je crois, oui. Donc je vous avais laissé ici, donc on va en direction ici. J'avais oublié un dresseur, malheureusement. ce dresseur m'a mis KO, mon Chamallow. Il était dans un tas de suie. Alors, au passage, je me suis renseigné sur Gala, mais en fait, je pensais qu'il fallait une technique de combat. Je sais qu'il fallait qu'il soit mal, mais en fait, il évolue avec une pierre aube. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher une pierre aube sur Pokémon X. Qu'est-ce que tu fais là, toi?
Ok. Donc je disais, je me suis pris une pierre aube sur Pokémon X et je l'ai ramenée dans cette version. Parce qu'il faut savoir que Kirlia évolue au niveau 30 et donc je risque d'avoir un quart de voir et je préfère ne pas prendre de risque et la faire EP. On va ranger les boîtes. Alors toi, tu vas aller là. Voilà. Donc, ça c'est fait. On va explorer un petit peu les maisons. D'accord, donc c'est toi qui fais les écailleurs. Ok, c'est toi qui fais le... T'es maître des capacités, un truc comme ça. Ok, ça roule. Donc on sait que c'est ici. Pas de maison. Si, là. What? Un maniaque des fossiles. Tunnel. Ah, ça c'est cool. Bonne capacité. Ce sera mon dernier épisode parce que je commence un peu à fatiguer. Au moment où je vous parle, l'épisode 8 est sorti aujourd'hui. D'accord. Donc ça c'est bon à savoir. Ok. Ta la ta la ta ta. Donc là, il y a des dresseurs. Je vais juste faire un truc, c'est faire EP mon Kirlia. C'est parti. Émeraude évolue. Donc c'est un mâle. Nous allons avoir un superbe Galam. Oh, stylé. Ah, ça fait plaisir. Donc j'ai 16 minutes, hein. J'ai largement le temps. 16 ou un petit peu moins. 15, on va dire. Et que la pince. Bon, je vais prendre cher parce que là, je suis type feu. Donc, oula. Feu haut, en plus. Feu haut. Je suis pas un volcanion. Feu sol. On va prendre un émeraude, tiens. Ah bah voilà. Une occasion de jouer notre Galam. Parce que non, sur Y, j'avais eu garde voir. Et donc j'avais envie de changer un petit peu. Les psy combats. Mais on va lui garder une capacité fée, bien évidemment. Vous voyez qu'il est presque au niveau 30. Hein. Donc c'était mieux de faire évoluer tout de suite. J'avais trop peur d'avoir un garde-voix. Et puis ça se trouve, quand on fait A, trop tard, il évolue et c'est grillé. Donc je préfère... Après je suis obligé de recommencer un épisode. Donc je préfère faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. Oula, oula, oh, Léviator, carrément. Ok, tranquille, au calme, il nous sort son Léviator. Volt. Star, malgré lui, je te choisis. Putain, ça fait mal. Oui, j'ai pris cher. Moins que lui, en tout cas. Bon, j'aimerais bien voir cette super canne, là. Ce serait sympa.
Et Bulila, ça c'est cool. What? Okay. Ça, je pense que c'est la maison de la dame là, celle qui fait les boîtes PC. Ah. On est des gros rapiens, nous. On vole toutes les baies. Quelque chose au bout de cette map. Rien de cette zone, de cette map. Je me crois dans Minecraft, moi. Ici, je sais qu'il y a quelque chose. Voilà. Je le sais, c'est tout. Toi, tu fais quelque chose? Bah, arrête. Genre, il est en train de me troller à avancer à chaque fois. Merci. Ah, désolé, je chasserai plus tard les Pokémon. J'en ai capturé assez comme ça pour le moment. Une poupée Nénupio, c'est cool. Il y avait quelque chose là-bas? Non, il n'y avait rien. On va compter ces deux dresseuses. Tara et Eda, les seniors et juniors, envoient Roselia et Azumarill. Bon, chacun le sien. Toi, tu fais rebondi feu. Et toi, coup de jus. Et oui, ça ne l'affecte pas, donc tranquillou. Voilà, impeccable. On a compris que Azumarill prenait cher. Oula, wesh. Émeraude niveau 30. Aïe. Crachat de feu. Petit up. Je me l'envoie tout de suite qu'il est en retard par rapport aux autres. C'est normal, il vient de l'avoir. Ce sera aussi le cas pour Carvana. Pour Carvana, pardon. Que j'aimerais bien avoir. Il n'y a rien là. Ah si. Oh. Elle me disait aussi. Oh, c'est rigolo ça. Les petites antennes là. Dans le coin là-bas. Le coin inférieur gauche. Oula, qu'est-ce qu'il a? Il a un problème. Il fait une de ses têtes. Et Bully lave, tiens, on va tester cette nouvelle attaque. Mais c'est puissant. Ok. Le petit cri du Galekid. Ah oh bah t'as. Vas-y, un petit taillade, normalement ça passe. Bataillade encore. D'accord. Ouais, j'étais un peu con là. Je vois pourquoi j'ai fait ça. Allez hop. Autant pour moi.
Ok, calme-toi mec, calme-toi. C'est rigolo ces petites antennes là, j'aime bien. Bonjour, magne fan de je sais pas quoi, du camping. Ou du pique-nique, un des deux. Camping ou pique-nique? Camping. Camping ou pique-nique. C'est comme si, c'est la citation du jour. Toi t'es plutôt camping ou t'es plutôt pique-nique? Peut-être les soigner après parce que... Ah c'est l'autre cousin là. Ah puis comment il saute en plus. Bon, 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 bon. On tombe. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Reprenons nos esprits mon cher. Non, j'aime bien tes capacités. Je vais aller soigner un petit peu. Alors, qui doit être soigné? Ok, je vois qui. Toi. Et toi. Voilà. Oh là, il y a des gros creux là. Il est énorme celui-là. Je vais plutôt y aller en marche, en courant, plutôt qu'en vélo. Ouf. Je veux te combattre. Je cherche le fight. Impeccable. Oh bah tu vas up toi normalement. Merci d'avoir éteint mon feu. T'avais pas de feu. Bah mes amis, je pense que c'est sur ce dernier combat que le let's play, enfin ce let's play là, va s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la suite. Ne tombez pas malade et abonnez-vous. Bye.